Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future. Our future. Our future. Our future. Ceremony. Victor Hugo disait que d'aimer quelqu'un, c'est de lui donner de l'importance à ses propres yeux, l'aider à croire en lui-même. Bible, tu m'as donné des ailes. Tu m'as permis d'être moi-même. Tu m'as permis de chasser mes mauvaises pensées. En toi, j'ai trouvé mon réconfort, mon apaisement, ma sécurité, ma force, ce petit coup de pouce pour croire en moi. Sache que je ferai tout pour protéger notre relation, puisque je la considère comme la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Vous êtes, pour moi, vous êtes un exemple de vraiment de l'amour que ça peut être. Genre, vous avez une complicité au bout, puis j'espère pouvoir vivre ça un jour. Genre, parce que comme vous êtes vraiment l'exemple de ce qui est l'amour pour moi. Genre. Donc, je te confie aujourd'hui une place bien, bien importante dans ce que j'ai de plus précieux. Puis, qu'est-ce que j'ai de plus précieux? C'est ma famille. Puis, je te donne le privilège, je te donne. C'est pas mal, je sais pas comment dire le mot, mais vieux jeu, ouais, c'est ça. Dans le fond, je te donne rien, mais je suis content pour toi. T'as le privilège de faire ta vie avec ma fille. Je sais que tu vas être un homme très heureux parce que ma fille, c'est quelqu'un. OK? Bon. Party chez sa cousine. Il y a plus de 10 ans, moi, j'ai toujours été un gars qui préférait les brunes. Mais à partir de cette soirée-là, je suis devenu un gars qui préfère Chloé Charbonneau. Babe, today, we're celebrating 10 years of friendship, 5.5 years of love, but most importantly, we're celebrating what's ahead. I can't wait to see what the future holds for us, and I couldn't ask for a better life partner. Cheers to you, to all of us, to our beautiful friends and family. I love you all. Thank you.
comment aurais-je pu faire autrement? Tu as été présent par tes appels aux petites heures du matin pour me porter une oreille attentive, par tous les petits moments anodins, remplis de fou rire, par les appels Skype lorsque j'étais en Colombie-Britannique, et j'en passe. Tu as été un high school crush, tu as été mon bouncer qui me faisait entrer dans les bars lorsque je n'étais pas en âge d'y être. Désolée, mes parents. Un conseiller, un meilleur ami, un confident, un amoureux, un fiancé. Et aujourd'hui, j'ai peine à réaliser la chance que j'ai de pouvoir t'appeler mon mari. Mon mari, mon mari, mon mari.